Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Je fais la revue de Peau Noire Masque Blanc de Franck Fanon. Je vais essayer de la faire, d'en faire un format un peu plus rapide que celui que j'ai fait la dernière fois pour aller directement à l'essentiel. Je tiens à remercier les sœurs qui ont participé à l'échange qu'on a eu sur Discord autour de cette lecture. C'est la première fois qu'on a un échange sur Discord et que je fais la revue après. Du coup, vous m'avez inspirée, vous m'avez beaucoup... apporté. Je me suis rendu compte finalement au moment de vous lire, enfin de vous écouter plutôt sur Discord, que il y avait des choses que j'avais pas saisies dans le livre en fait. Il y avait des petits trucs, voilà, j'étais pas au point. Donc c'est une bonne chose, alhamdoulilah, vous savez que voilà, c'est pas une chance, c'est ainsi que ça devait se faire. On est des musulmans, on ne croit ni à la chance ni aux coïncidences, et finalement, j'ai eu l'occasion de plus y réfléchir. Et je me suis rendu compte que je suis tombée dans des petits pièges de la pensée, des petites difficultés qui m'ont empêchée d'aller à l'essentiel avec ce livre. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter deux petites histoires issues de mon expérience personnelle qui vont vous permettre de mettre les pieds dans le plat direct. On va être au cœur du propos, on va rentrer dans le vif et on va pas s'encombrer. Donc, je vous donne juste un tout petit topo biographique sur Franck Fanon pour que vous sachiez de qui il s'agit. Notre auteur est né en 1925 en Martinique. Il est décédé en 1961, ou entre l'Algérie, la Tunisie. Vous savez, l'Algérie, la Tunisie, ces histoires de nationalisme au Maghreb, c'est tout relatif. Hein, les frontières ont bougé depuis. Donc, disons que, en gros, il est né martiniquais, il est mort algérien, et il a une œuvre qui est très marquée par ça. Sa condition de noir martiniquais qui a vécu en métropole, qui a étudié en métropole, qui a surtout exercé le métier de psychiatre à Blida en Algérie et qui s'est engagé dans la guerre de libération nationale algérienne. Il a fait des études de médecine, il est psychiatre, il a aussi étudié la philosophie, c'est une œuvre très très riche, on en a... une illustration avec Peau Noire, Masque Blanc, je me rends compte que c'est une personne qui s'intéressait beaucoup aux arts, à la littérature, il y a des multiples références et c'est très plaisant à lire. Et autre chose, c'est un auteur énervé. Et ça c'est magnifique, parce que vraiment, les trucs chichignan, parfois, beaucoup, souvent, il y en a marre, vraiment. Et là, avec ce livre, en fait, j'ai trouvé une vigueur où je me suis dit, ah ouais, ça se voit que le gars, il a pas écrit en 2020, quoi. Ça se voit que le gars, il était dans une époque où il croyait encore à quelque chose. Où il y avait un combat qui était brûlant, où il voyait des choses avec ses yeux, et il voulait rentrer dans l'action. Et ça, c'est très 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 plaisant, parce que à notre époque, bah, on est désillusionnés. C'est bon, on est dans la postmodernité. Nous, on a vu les choses venir, on a vu les combats se faire, et on a vu l'arnaque. Et aujourd'hui, on attend tous la suite, et on ne sait pas... comment la prévoir, comment l'imaginer. Rien que les projets, on n'arrive pas à imaginer. Voilà, on a l'impression d'avoir tout essayé. Oh, la République, la monarchie, la démocratie. Oh, la colonisation, mais la libération, c'est aussi pourri l'un que l'autre. Donc finalement, cet auteur, il est énervé. Et ça, j'y étais ultra sensible. Parce que je suis une personne énervée de nature aussi. Donc ça a été très très plaisant de lire l'œuvre d'un vrai révolutionnaire. Les thèmes que traite Franck Fanon sont ceux du complexe du noir vis-à-vis du blanc, du racisme de façon générale. Le complexe et le trauma du colonisé, la destruction identitaire méthodique qui est organisée par l'entreprise de colonisation contre laquelle il s'est battu. Voilà, c'est des thèmes qu'il va aborder avec son double bagage de psychiatre et de philosophe. Et voilà, il a allié des discours savants à un modèle d'action. Et ça, c'est vraiment assez exceptionnel, et c'est en ça qu'il a marqué très très rapidement son temps. Pas en France, est-ce que c'est étonnant? Non, pas vraiment. En France, on le découvre peut-être 60 ans après, alors qu'il a eu une reconnaissance quasi immédiate chez les Noirs américains, chez les Noirs états-uniens. Qui, voilà, le Peau Noire, Masque Blanc le considère comme être la Bible des Black Panthers. C'est vous dire à quel point sa pensée a marqué la communauté, les Noirs. Aux États-Unis, où il y avait vraiment un mouvement qui était fort et assumé. Et pas en France, alors qu'il est francophone. Hein. C'est-à-dire qu'il a dû être traduit pour être compris en son temps, alors que dans la langue immédiatement accessible auprès du public auquel il aurait pu s'adresser, les francophones. Ouais, rien du tout. Donc,
ça vous dit quelque chose. Donc à ce moment-là, en ce moment en France, on a une actualité de France Fanon. Enfin, je l'observe personnellement en suivant ce qui se passe autour des maisons d'édition, etc. Les gens se réapproprient très largement l'œuvre de France Fanon. Et ça, c'est assez intéressant, mais je voudrais y apporter quelques limites, et ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Inch'Allah, pour l'heure, je vais vous parler de ces deux fameuses petites histoires qui, j'espère, vont vous permettre de dépasser certaines difficultés que moi, j'ai connues dans ma lecture et vont nous permettre d'aller directement au cœur de l'œuvre. Allons-y. La première histoire, c'était moi, au lycée, en terminale. Il y avait une personne dans ma classe qui était d'origine guadeloupéenne, un Antillais, et je lui ai demandé un jour de quelle origine il était. Voilà, c'est une chose qui se fait, voilà, en banlieue, on vient tous de quelque part, on a tous une petite histoire à raconter sur nos origines et tout. Donc, bah, je faisais connaissance avec ce camarade de classe, je lui ai demandé de quelle origine il était. Et il m'a, en fait, sa réponse m'a choquée, mais c'est surtout l'expression sur son visage qui m'ont marquée et qui sont restées dans un petit coin de mon cerveau et qui ont pris tout leur sens avec la lecture de Peau Noire, Masque Blanc. Il m'a répondu qu'il était français. Mais il m'a surtout regardé avec un air ahuri, genre, je comprends pas où est-ce que tu veux en venir. Et ça m'a vraiment choquée. Donc quand il m'a dit je suis française, j'ai rigolé, j'ai cru qu'il blaguait. Quand j'ai compris qu'il blaguait pas, je me suis calmée et je lui ai dit, ma frère, à ce prix-là, on est tous français, hein. Moi aussi je suis française, mais ça m'empêche pas d'être d'origine algérienne, donc toi, t'es de quelle origine? Et il m'a dit, bah, français. Et il m'a répété ça, avec le même air ahuri. Là, je me suis dit, il y a un problème, il y a un truc qui t'échappe. Je parlais à moi-même, hein. Je me suis dit, là, Inès, il te manque quelque chose pour comprendre. Où est-ce qu'il veut en venir en fait? Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il est français alors qu'il est visiblement noir? C'est-à-dire que c'est une question de, tu sais, de mélanine, c'est une question de comment la lumière se reflète sur ta peau, c'est une question de. Voilà quoi, moi je te demande d'où tu viens parce que t'es noir, t'es visiblement noir, donc t'as forcément une histoire à raconter, tu me réponds que t'es français. Qu'est-ce que j'ai compris avec cette affaire? Qu'est-ce que cette petite histoire nous révèle? Ça nous révèle en fait comment le noir se sent parfaitement blanc, parfois, au point de ne pas comprendre qu'on le considère noir. Retenez bien ça. Au point de ne pas comprendre qu'on le considère noir. Cette personne qui est d'origine antillaise, donc comme François Fanon, qui était martiniquais, et qui nous raconte avoir vécu en fait, la prise de conscience d'être noir seulement en arrivant en métropole, parce qu'aux Antilles, les gens se considèrent français, donc ils prennent la conscience de leur noirceur, de leur négritude, appelez ça comme vous voulez, en arrivant en métropole quand ils sont en contact des blancs. Ben, il a. En fait, il était blanc dans sa tête au point de ne pas comprendre qu'on puisse le considérer noir. Je pense clairement qu'il a faim de ne pas comprendre où est-ce que je voulais en venir, de faire comme si il oubliait qu'il était noir, ou alors sa réponse, elle était destinée à ce que peut-être j'ai honte, ou que je sois intimidée ou gênée, et que je lâche la question, je ne sais pas, j'ai pas bien compris. En tout cas, son regard était très mystérieux au point où il est resté dans ma tête. Deuxième petite histoire. C'est une expérience que je faisais beaucoup étant plus jeune et maintenant j'ai ton. Comment on dit? Bah les masques sont tombés. Mon masque blanc est tombé depuis un certain temps. Alhamdoulilah, je vous annonce que je suis libérée de cette aliénation. J'espère que si vous êtes encore là-dedans, à la suite de cette vidéo, vous allez aussi faire tomber vos masques blancs. Quand je rencontrais des maghrébins dans la rue, des sœurs au guichet, à la mairie, des caissières, etc., dans toutes mes interactions et dans tous mes petits actes de consommation quotidienne, je disais bonjour, au revoir, merci, bien cordialement, bien à vous, mes salutations les plus distinguées, etc. Et à chaque fois, je ressentais un malaise. Je ressentais un malaise parce que je me disais pourquoi j'ai pas dit salam alaykoum. Pourquoi j'ai pas dit barakallahu fiki. Pourquoi? Alors, quand on est à la mairie, qu'on a une personne qui est blonde décolorée, qui est évidemment dans une acculturation totale, je peux, bon, dire oui, évidemment, là, je vais dire bonjour, puisque j'ai pas l'impression qu'elle soit très heureuse si je lui passe le salam. Mais quand je suis directement avec une personne qui porte la sunna, qui va porter un hijab, etc., etc., ou un frère qui porte la barbe, donc pourquoi je dirais bonjour? Plus facilement, ou en tout cas immédiatement, avant de penser même à dire salam alaykoum. Donc ça, c'était une attitude dans laquelle j'étais.
Et je reconnais beaucoup là-dedans. Même en tant qu'étudiant d'origine maghrébine, etc. Bon, alors, les sœurs, maintenant, depuis que je suis voilée, c'est beaucoup plus simple. Hein. Je dis salam alaikum à tout le monde, c'est assez automatique. Mais à l'époque où je ne l'étais pas, franchement, c'était assez difficile à gérer. Et j'avais toujours cette petite gêne en moi de pourquoi j'ai pas dit salam alaikum? Pourquoi j'ai dit bonjour, merci, au revoir? Pourquoi je dis pas salam alaikum? Je sais que la personne, elle me comprendrait. Et c'est vraiment mon aspiration à moi. Je voudrais laisser exister cette part de mon identité, et pourtant je me contrains à être à parler en français, donc à porter ce masque de blanche. Qu'est-ce qui m'arrive? Dans le même esprit que cette histoire, pour vous donner une autre façon en fait de comprendre là où je veux en venir, c'est un truc qui m'a toujours gênée aussi quand on était à l'école, quand on était petit. Je supportais pas que tout le monde rie parce que quelqu'un a dit un mot en arabe. C'était l'hilarité générale si quelqu'un avait dit un mot en arabe. Donc je vous parle pas des choses un petit peu disruptives, genre ah, il a dit un gros mot en arabe, donc là évidemment ça nous aurait fait rire, même si c'était en français, puisqu'on était petits, on rigolait, pipi caca, tu connais. Mais là, un mot, mais n'importe lequel, ça nous faisait rire. Voilà. Ou s'il y avait un petit qui venait en cours d'année, qui était nouveau dans la classe et qui venait du bled. Et qui parlait arabe, bah on était tous là, genre on rigolait, ça nous faisait bizarre en fait. Ça évoquait des choses qui, et c'est ça qui est important dans cette histoire, qui normalement ne se déroulent qu'à la maison, dans notre espace intime, dans notre sphère où on a le droit d'être qui l'on veut et où on enlève nos masques de blanc. Mais dans un cadre bah, typiquement où on nous demande de porter le masque blanc, parce que franchement, même si carrément qu'on nous le fabrique en fait dans cette institution, je parle de l'école, ça nous faisait bizarre. Donc dans la cour de récréation, entendre quelque chose qui était directement associé à notre véritable origine, à notre origine maternelle, à notre origine première, au cadre qui n'associait normalement qu'à la maison, ça provoquait quelque chose. C'était disruptif, c'était même limite subversif. On était, voilà, et ça nous faisait rire, en fait. Bon, vous savez, le rire, c'est un peu compliqué. Pourquoi on rit, on ne sait pas très bien. Si tu ris et que tu te demandes tout de suite pourquoi tu rigoles, bah t'arrêtes de rire, puisque tu comprends pas, en fait. Ça nous met dans le malaise. Mais là, on riait et ça me dérangeait. Et j'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre, mais qu'est-ce qui nous amuse? Qu'est-ce qui provoque, pardon, ce rire? Et avec cette histoire, en fait, j'aimerais qu'on prenne conscience qu'on porte tous des masques. Mais pire que ça, on les accepte. Donc rappelez-vous le titre de ce livre qui est génial, en fait, qui est très évocateur. Peau noire, masque blanc, tu portes un masque. Tu portes un masque blanc. Maintenant, la question, c'est pourquoi on l'accepte? Parce qu'en fait, on n'existe pas. On refuse l'existence authentique parce qu'on nous a dit en fait qu'il fallait exister selon certains modes. Alors ces certains modes, ils sont clairs, hein, on nous les apprend à l'école, on nous apprend dans la culture de masse de façon générale. Mais il y a aussi une forme d'acculturation dont il faut parler. L'acculturation, donc vous savez, c'est ce processus par lequel on va dépouiller des personnes de leur culture. On va leur imposer d'autres modèles. Et le meilleur exemple de cette immense œuvre d'acculturation, le génie de l'acculturation, c'est la colonisation. La colonisation, ça a été une entreprise gigantesque, industrielle, d'acculturation de certains peuples. Et ça, c'est François Fanon qui en parle très très bien dans Les Damnés de la Terre, pour la Révolution africaine, dans L'an 5 de la Révolution algérienne, bien évidemment. Un livre extraordinaire. Donc moi, je voulais vous parler de cette acculturation. Je voulais vous parler de cette acculturation qui fait que les gens acceptent le masque blanc. Et l'acceptent au point où ils en ont même plus conscience, en fait. Ça, c'est l'histoire du gars en terminale, quand j'étais au lycée. Cette personne-là, elle porte un masque blanc au point où quand on lui rappelle en fait que frère t'es noir, donc t'as forcément quelque chose à raconter sur ta négritude, il y a une histoire derrière tout ça. Comment tu peux me dire sereinement que t'es français? Parce qu'on a tous une image de ce qu'est un français. A priori, voilà, j'ai pas l'impression que tu ressembles aux français de base. Donc cette question, elle est légitime. Après, même si t'as des idées où pour toi les Antilles c'est français, etc., etc. Tu peux les justifier aussi, mais tu ne peux pas en aucun cas, dans ma compréhension, faire comme si tu ne comprenais pas ma question au point de me répéter deux fois que tu es que français. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi moi, dans l'autre exemple, la deuxième petite histoire que je vous racontais, je me sens obligée de dire bonjour, au revoir, alors qu'en fait j'aspire à dire plutôt salam alaikum parce que je pense que c'est plus adapté étant donné la personne que j'ai en face de moi, mais je m'oblige à dire les choses avec mon petit masque blanc.
Pourquoi à l'école, quand il y a une petite manifestation d'un petit mot arabe, d'un petit quelque chose qui nous rappelle la maison, on est tous choqués parce que tout d'un coup, c'est comme si en fait, il y a quelqu'un qui a fait tomber son masque, vous voyez, son petit masque blanc qui était sur son visage, boum, il a glissé et puis d'un coup, la personne, elle a trébuché, elle a dit un mot en français, en arabe, ça nous fait rire. En fait, c'est ça, le masque blanc. Alors moi, là, j'ai un propos un petit peu caricatural. Je vais pas dans la profondeur de ce que sont les analyses de Francis Fanon. Je vous rappelle que on a affaire à un psychiatre, donc il a étudié la question du complexe du colonisé, la question du complexe et du complexe d'infériorité du noir vis-à-vis du blanc de façon très systématique, de façon très détaillée. C'était cette œuvre-là, Peau noire, masque blanc, si je me souviens bien, c'est un travail qu'il avait fait pour une thèse en psychiatrie. Donc autant vous dire qu'on est vraiment dans un livre où on va traiter du thème du complexe du noir de façon très détaillée et très approfondie. Ce livre, je le trouve extraordinaire parce qu'en fait, il explique aux gens, attention, vous êtes peut-être né avec un masque et vous n'en avez même pas conscience. C'est quelque chose qui concerne les blancs eux-mêmes. Vous n'en avez même pas conscience. Pourquoi? Parce qu'il y a cette institution magnifique dont on parlait tout à l'heure, l'école. Il y a cette entreprise incroyable qu'on appelle la culturation, qui s'est faite pour nous, la communauté maghrébine en particulier, au moyen de la colonisation. Moi, je suis algérienne, donc je peux vous en dire un mot. Aujourd'hui, je vais en Algérie, les colonisés, je les vois face to face toute la journée. C'est-à-dire que c'est des personnes. L'Algérie, c'est simple. Il y a eu la pseudo-libération du territoire en 1962. Mais depuis, on vit dans ce mythe qu'il y a eu une décolonisation effective, que le peuple est libéré et que le territoire et les richesses appartiennent au peuple. Tout ça, c'est des bêtises. L'indépendance a été confisquée, pour reprendre les termes de Farhat Abbas, mais là, c'est pas le sujet. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les gens sont encore complètement colonisés dans leur cerveau, dans leur mental. Les personnes sont complètement colonisées. Elles portent ce masque blanc, pourquoi? Bah, pour des questions de racisme, parce que la société est raciste de façon parfaitement visible et évidente pour les personnes qui ont retiré le masque. Quand on prend conscience, nous, en tant qu'ex-colonisés, que personnes racisées, c'est-à-dire que voilà, dans le système raciste, on vit dans une forme de racisme institutionnel aujourd'hui, il faut bien l'avoir en tête, on peut prendre conscience donc des méfaits de l'école. Donc du coup, on va essayer de se rééduquer par ailleurs. Des méfaits de la colonisation et de la culturation dans laquelle vivent les musulmans à ce jour. Et donc on peut vouloir pour y remédier, mettre en place une stratégie pour sortir de la culturation et pour se réapproprier notre patrimoine, notre histoire, etc., etc. Ceci dit, là je tiens à dire ça dans cette vidéo, il faut l'avoir en tête, sur les réseaux je vois des choses se faire dans un objectif de combat de l'acculturation, de combat contre le racisme, mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est fort dommageable et c'est de l'énergie que les gens perdent. Qu'Allah nous permette d'acquérir une science utile et surtout de ne pas se tromper de combat. De pas se tromper de combat. Je dis ça en toute humilité parce que je ne dis pas que c'est moi qui détiens la vérité et que voilà, forcément ce que je vais vous dire, j'ai raison. Mais au moins écoutez ce que j'ai à vous dire, puis après on peut en discuter, Inch'Allah. Je vois sur les réseaux beaucoup d'initiatives de la part de Maghrébins ou de Noirs qui veulent faire revivre la culture africaine et le patrimoine, soit de la civilisation islamique en général pour les musulmans, soit de l'histoire des Noirs. Donc on va avoir des contes et des contes qui se développent. Et donc c'est un but de combat de l'acculturation, on est d'accord. Donc on nous y a fait croire parce que le racisme est stylé. Je fais une petite parenthèse pour les gens qui ne comprennent pas bien ce que ça veut dire que le racisme. Le racisme, c'est une idéologie. Donc il y a des fondements à comprendre, des fondements théoriques, des fondements pseudo-scientifiques, des fondements idéologiques, voilà. Il s'agit de l'idée qu'il y a des races qui sont supérieures à d'autres, et ça on va le justifier. Au 19e siècle, on l'a justifié par des preuves scientifiques, aujourd'hui on sait que tout ça c'était bidon, mais il fut un temps, en fait, on l'a justifié simplement par le fait que l'homme occidental, donc l'homme blanc, est arrivé à une période de l'histoire où... En fait, étant donné qu'il s'est réfugié complètement dans le culte de son humanité, dans le culte du progrès, de la science, etc., etc., puisqu'en fait, il ne croyait pas
Il a arrêté de croire en Dieu. Là, je vous fais un méga caricature, mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse un petit peu comprendre de quoi il s'agit. L'homme blanc a exclu Dieu. Il est rentré dans la modernité. Il a établi un culte, en fait, de sa propre raison. Il s'est déifié. Et ça a eu plein de conséquences que, de loin, on a l'impression que c'est top. Par exemple, la science. Le progrès scientifique, en fait, et le scientisme ont amené l'homme blanc à faire pas mal de découvertes sur le plan de la physique, voilà, des techniques, etc. Donc, il y a eu un gros développement économique qui s'est fait en Occident au moyen de toutes ces acquisitions et de toutes ces nouvelles connaissances en termes de techniques. Et on est rentré dans cette espèce de culte du progrès et de la science, ce qu'on appelle le scientisme. Le progressisme, le positivisme le plus total. Et à ce moment-là, en fait, on était au 18e, 19e siècle. Voilà, 19e siècle environ. On a rencontré le monde musulman qui était en décadence depuis un certain temps. Pour plein de raisons, mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Si je m'éparpille là-dedans, on va pas s'en sortir. Et donc, on envoie des personnes qui sont créées ad hoc, en gros, avec des nouveaux métiers, des sociologues, des anthropologues, des ethnologues, etc., pour aller explorer ces terres dites sans maître, ou qu'on ne comprenait pas bien. Donc, toute l'Afrique, l'Asie, etc. Donc, on va explorer ces terres. Puis là, l'homme blanc, qui arrive avec tout son orgueil, son immense orgueil, se rend compte que vivent des personnes sur place qu'il va qualifier de primitives, en fait. Il va dire que ces personnes, elles sont dans des cultes chelous, ils adorent je sais pas quoi, le chef en peau de léopard, là, dans leur village, ce sont des primitifs. Et nous, on a un devoir en tant que race supérieure, étant donné que, voilà, c'est visible, on est des races supérieures, on a des chapeaux melons, on a la science, on a le progrès, etc. On va civiliser ces personnes-là qui ont des races inférieures. Donc au 19e siècle, on fait carrément des colloques et des réunions dans toute l'Europe, Amsterdam, Paris, Lyon, etc., pour prouver que, scientifiquement, que les Noirs, etc., sont inférieurs. Voilà, on fait des petits trucs pseudo-scientifiques avec la taille du crâne, etc. Donc finalement, ce que vous devez retenir, c'est que le racisme, ce n'est rien d'autre qu'un orgueil démesuré de l'homme qui va juger de la valeur d'autres et va se positionner par rapport aux autres au moyen de critères que pour l'homme blanc, c'était la science. C'était la science et ce que lui, il a appelé la civilisation. Voilà. Donc dans cet immense orgueil, il s'est pas rendu compte que sa science, elle était issue d'un processus de déification de sa raison et que cette même science, elle est en train de causer aujourd'hui sa perte. Vous observez l'état du monde en 2020 et c'est pas fini, qu'Allah nous préserve dans les années à suivre du résultat de cette fameuse science. Et donc cet orgueil, nous en islam, on le connaît pas. On ne le connaît pas parce que notre prophète, nous a appris qu'on ne fait la différence entre les hommes qu'au moyen de leur piété. Leur piété, c'est-à-dire la façon dont ils se comportent, parce qu'ils n'oublient jamais que même si eux ne voient pas Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les voit. Et que dans ces conditions, ils vont se comporter à chaque moment de leur vie, en public et en privé, dans leur plus stricte intimité ou dans les moments où ils sont le plus en société, de la même façon, dans la même crainte d'Allah azzawajal. Et donc, l'homme blanc occidental a décidé au contraire que, étant donné que voilà, il n'est plus dans ces critères-là, lui il est hors sol, qu'on jugeait les gens selon ce que lui il a appelé la civilisation, et la civilisation pour lui, c'est le scientisme, c'est le culte de la raison, c'est le progrès, ce qu'on appelle, vous savez, Auguste Comte, etc. Dans les Français, on est hyper fort pour ça. Hein. Et je rentre pas dans les détails. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas la différence entre les gens au moyen de la science ou de leurs avancées. Parce que cette science-là que les Occidentaux vénèrent, c'est ce qui est en train de causer la perte. Donc, bonjour l'humiliation. Je pense que tout le monde aujourd'hui peut se rendre compte du monde dans lequel on vit et de toutes ces dérives. Et cette science, même s'ils arrivent à expliquer le fonctionnement d'un avion, ils ne peuvent pas expliquer comment l'avion en lui-même, d'où sort tout le matériel qui a permis de construire cet avion. Qui a créé les vents qui permettent que l'avion vole, etc., etc. Donc voilà, même si on explique, si la science peut créer plein de choses, elle ne peut pas expliquer ce qu'elle crée. Donc ça, c'est une grande limite, mais là, je suis en train de dériver, donc je m'arrête ici. Ce que j'avais remarqué et dont je voulais vous parler, qui m'avait amené à faire toutes ces
toute cette digression sur ce qu'est le racisme, c'est cette tendance que je vois sur les réseaux de personnes qui veulent combattre la culturation parmi les Noirs, parmi la communauté maghrébine, et qui vont rentrer dans une nouvelle forme d'orgueil, en fait. Ils vont mettre en avant le folklore berbère, le folklore vaudou, ce genre de choses, et vont essayer, en fait, de répondre au fait qu'on ait présenté la culture occidentale, cet ethnocentrisme occidental, comme étant le modèle de référence des gens civilisés. Ils vont essayer de répondre à ça en mettant plutôt en avant ce qui vient de chez leurs ancêtres. Donc on va rentrer dans des délires sur le vaudou, ça a été diabolisé pour ceci, cela. Là c'est grave parce qu'on est directement dans le cirque avec des fausses croyances, etc. Mais chez les berbères, j'ai remarqué la même chose. Il y a une espèce de berbérisme qui fait un peu peur, que je vois sur les réseaux, qui se développe. On met en avant, en fait, une autre forme d'orgueil, un tribalisme, voilà, qui n'a pas plus à faire avec l'islam que le racisme. Voilà, donc je voulais mettre en garde contre ça. Méfiez-vous, parce que même si ça apparaît être de bonne intention, comme un moyen de se réapproprier cette histoire dont on nous a coupé, pour détruire notre identité, pour nous y acculturer, on peut rentrer dans des délires, dans des dérives excessives. Voilà, donc moi, j'aime beaucoup tous les contes qui mettent en avant l'histoire oubliée de certaines tribus, qui remettent au goût du jour certaines coutumes, qui les expliquent, etc. Mais il ne faut pas rentrer dans un nouveau délire tribal, orgueilleux. Voilà, donc je tenais à mettre toutes ces idées au clair pour que ça puisse inspirer les gens et que vous donniez un petit peu de chance à ce que vous voyez parfois sur les réseaux, puisque moi, je suis un peu effarée. Bref, là, je vais vous parler très clairement de ce masque blanc qui nous est imposé, comme je vous ai dit, par l'endoctrinement, par la culture de masse, par l'acculturation, et qu'on peut choisir de faire tomber. Et ça, c'est vraiment l'objet de ce livre-là. Dire aux Noirs, en gros, vous pouvez vous libérer. Alors moi, je dis les Noirs parce que c'est l'objet du livre, mais ça s'adresse à tout le monde. Vous pouvez vous libérer juste en prenant conscience, en fait, que vous portez ce masque-là. La limite que je vais reconnaître au livre. Le livre en lui-même, il est très, très, très bon dans le champ d'études qui était la spécialité de l'auteur. François Fanon, c'est un psychiatre. Dans ces conditions, il a écrit un livre de psychiatre. Donc, il a développé plein d'éléments pour dire que effectivement il y a un complexe qui s'est fait, qui s'explique comme ci, comme ça, et voilà quelles sont les incidences dans la vie des Noirs de tous les jours, et libérez-vous. Ça, c'est l'objet du livre. Maintenant, la limite que moi je vais reconnaître et que je vais développer aujourd'hui en tant que... Voilà, vous savez, je développe une pensée de musulmane et je lis les livres, même s'ils ne sont pas des livres écrits par des musulmans, dans une perspective islamique. Et moi, cette limite que je vois, c'est qu'en fait, il dit aux gens « vous pouvez vous libérer, voilà de quoi vous devez vous libérer », donc il pointe du doigt le mal. Il dit, il explique avec des moyens empruntés de la psychologie, etc. Bon, magnifique. Maintenant, on se libère comment ? On se libère comment et au nom de quoi ? Parce que si on se libère au nom de l'antiracisme, on tombe exactement dans la même mécanique que celle que je dénonçais dans ma dernière vidéo où je parlais de féminisme. Là, je vais vous expliquer pourquoi je maintiens des distances très nettes avec les thèses antiracistes, avec les luttes antiracistes, pourquoi je ne me suis jamais sentie concernée, ni impliquée. Depuis toujours, j'ai toujours eu un problème avec ça, même à l'époque où je me cherchais un peu plus. J'ai toujours senti le malaise. Et là, pourtant, je le dis, hein, je suis racisée. Je sais pourquoi je suis en France. Hein, je suis en France par une espèce de fatalité du fait que mon pays a été détruit. Alors, vous savez, moi, je suis pas là à pointer la colonisation comme le début de tous nos maux. Au contraire, la colonisation, c'est une conséquence du déclin qu'avait déjà entamé la civilisation islamique. Donc non, rappelez-vous le thème de la colonisabilité chez Malek Benhabi, très, très très cher à mes yeux et essentiel pour que tout le monde rentre dans la responsabilisation et qu'on arrête ce maraboutisme où on veut tout expliquer par la faute à pas de chance. Il y a eu un déclin qui a été entamé dans la civilisation islamique. C'est comme ça, les civilisations ont un essor
une période de stabilité et un déclin. Et puis, le système concurrent vient cueillir le fruit mûr à partir du moment où le déclin est bien entamé. Donc, ce qui s'est passé en Algérie ou ailleurs, c'est qu'on a été colonisé parce qu'on était colonisable. Donc là, je ne suis pas en train de dire, on a détruit mon pays, c'est à cause de là, je viens gratter les allocs. Il ne s'agit pas de ça. Moi, là où je vais vous dire mon problème avec les luttes antiracistes, c'est que les luttes antiracistes, à mon sens, il y a une forme d'existentialisme humaniste dedans. L'existentialisme, en gros, c'est cette idéologie selon laquelle l'existence précède le sens. C'est-à-dire qu'on va chercher à exister. Peu importe le sens de cette vie, on s'intéressera à ça après. Mais d'abord, on demande à exister. Et ça, c'est incompatible en islam. En islam, on sait que l'homme a une nature parce qu'en fait, c'est une créature. Donc, on a une fetra, on a une origine, il y a des raisons qui expliquent notre présence sur Terre. Et à partir de ces raisons, une fois qu'on les a embrassées, une fois qu'on a décidé de se soumettre au créateur, là, on commence à exister. On ne cherche pas d'abord à exister pour ensuite décider qu'est-ce qu'on fait avec cette existence. Et l'antiracisme, pour moi, j'y décèle une part d'existentialisme parce qu'en fait, il s'agit simplement de dire on a le droit d'exister. Il faut qu'on existe, il faut qu'on se fabrique, il faut qu'on s'invente, il faut qu'on lutte, il faut qu'on fasse valoir nos droits, il faut qu'on fasse valoir notre égalité avec ceux qui nous ont infériorisés, ceux qui nous ont invisibilisés, ceux qui nous ont massacrés, etc., etc. Donc on existe, on existe, on existe. Et cette lutte-là, c'est une lutte progressiste, c'est une lutte existentialiste, c'est une lutte humaniste pour l'homme. Et finalement, c'est une lutte athéiste. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. Il y a de la lutte, mais il est où Dieu? Il est où? Elle est où en fait le sens de cette existence pour laquelle on se bat? La lutte antiraciste, telle que je la vois présente sur les réseaux, dans les débats télé, dans deux, trois choses que j'ai pu lire, pour moi, c'est un existentialisme. Voilà, on se bat pour faire valoir qu'il y a eu des théories racistes qui ont été mises en place. Il faut les combattre parce qu'elles sont illégitimes, effectivement. Personne ne nie leur illégitimité ici. Mais maintenant, au nom de quoi? Au nom de quel sens? Nous, en islam, on n'est pas concernés par le racisme, c'est ce que je dis tout le temps. On n'est pas concernés. Alors oui, nos sociétés ont été contaminées de la même façon qu'elles ont été contaminées par la laïcité, de la même façon qu'elles ont été contaminées par la démocratie, qu'on nous l'ait imposée, qu'on ait choisi d'imiter par nous-mêmes. Mais de la même façon, le racisme, on a été contaminé aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au système civilisationnel que devraient promouvoir des musulmans. Donc je me sens parfaitement désintéressée de tout ça. Après, ceci dit, je ne nie pas que le racisme existe. Évidemment, les sociétés occidentales sont éminemment racistes, elles se sont construites sur le racisme. Donc je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que même si on veut lutter contre le racisme, on doit le faire pas au nom de l'antiracisme. Parce qu'en ce moment-là, c'est exactement la même chose que ce que je vous disais avec le mécanisme du féminisme, de toutes les idéologies modernes de façon générale. On va le faire au nom d'une idole. On va le faire au nom de l'idole égalité. On revient toujours au même. Et on rentre dans cet égalitarisme débilisant où on veut simplement se battre pour quelque chose qui n'existe qu'au paradis. N'oubliez pas qu'on est des êtres qui avons goûté par, entre guillemets, par notre père Adam, alayhi salam, au paradis. Et on vit, si vous voulez, pour caricaturer encore une fois, dans cette espèce, une espèce de nostalgie où en fait on a une nature édénique. Nous, l'homme, on aspire au paradis. Et sur Terre, on n'est pas bien et on ne sera jamais bien parce qu'on aspire au paradis. On devrait en faire un moteur pour adorer Allah de la meilleure des façons, pour gagner le jour de la rétribution, bi'idhnillah. Au lieu de ça, on essaye de reproduire le paradis sur Terre. Et étant donné qu'on ne supporte pas l'inégalité, l'injustice, le mensonge, parce que c'est notre nature d'être humain, on va essayer de se battre une fois qu'on croit plus en Dieu, une fois qu'on croit plus au paradis, une fois qu'on n'espère plus dans le paradis, on va essayer de réaliser ce paradis sur Terre. Parce qu'on est nostalgique. Et on réalise ce paradis sur Terre comment? Bah notamment avec une liste égalitariste complètement débile dans laquelle on veut que tout le monde soit l'égal de tout le monde parce qu'on ne supporte pas cette inégalité et qu'on ne croit pas au paradis où elle pourrait se réaliser, et encore selon la valeur individuelle de chacun. Et donc la rétribution qui sera d'une justice absolue selon nos œuvres sur Terre. Et pour moi, il est là le problème avec la lutte antiraciste. C'est-à-dire qu'on va se battre, mais qui est-ce qui endosse cette bataille, ce combat? Au nom de quoi on le fait? Moi, j'ai jamais vu un antiraciste dire qu'il le faisait au nom de la religion et au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il veut promouvoir le modèle musulman. J'ai entendu des antiracistes qui se battent au nom de l'égalité, parce que ça se fait pas d'être inégaux. Ouais, mais moi je suis pas une égalitariste. Moi j'adore pas les. Man'abatch l'égalité.
Ma n'abdesh l'égalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas pour. Voilà, mes ibadat, je sais à qui je les adresse. Et ça, les gens, ils se trompent dans leur combat. Et ça, c'est le problème. Frantz Fanon, dans son livre, je ne dis pas que c'est le problème de Frantz Fanon. Frantz Fanon, il a fait ce qu'il avait à faire en tant que psychiatre. Moi, je parle en tant que musulmane. Et la lumière que je voudrais donner pour la lecture de musulmans pour ce livre. Frantz Fanon, il a écrit sur le complexe du noir, il a écrit sur la société raciste, on y a dit qu'on portait tous des masques blancs, qu'on avait un complexe de base, que la société était construite autour de ces complexes, qu'elle enfermait le noir, qu'elle enfermait le colonisé, que c'était patent, et que dans ces conditions, il faut qu'on se réinvente et qu'on ose prendre notre place et qu'on existe. Et ça, je vous rappelle l'expression qu'il utilise aux pages 124-125, le noir, pardon, a un rapport de coexistence au monde, alors que le blanc a un rapport appropriatif. C'est-à-dire que le blanc, il ose exister, il ose se manifester, il ose avoir une emprise sur ce monde, il ose poser des questions, il ose réformer et mettre des choses en place, alors que le noir, il a un rapport de coexistence. C'est-à-dire qu'il va se définir selon la façon dont le monde existe déjà. Il ne l'interroge pas. Et donc, il n'interroge pas le masque. Il n'est même plus en mesure de le voir qu'il a ce masque sur son nez. Il accepte les complexes de fait. Il nous dit, libérez-vous de ça. Arrêtez avec ça. C'est complètement illégitime. Mais moi, je vous le dis, en tant que musulmane, au nom de quoi on va arrêter tout ça? Au nom de quoi? Au nom de nouvelles idoles qui vont causer de nouvelles tromperies et qui vont nous amener de nouvelles désillusions parce qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite. En vérité, toute notre dévotion et tout fait d'être le centre de tout ce qu'on déploie comme énergie dans tous les combats de la vie. C'en est fini pour moi de cette revue. J'espère que vous avez compris où est-ce que je voulais en venir, les perspectives musulmanes que je voulais apporter dans la lecture de Peau Noire, Masque Blanc. Je tiens à dire une petite chose, petit disclaimer, parce que finalement, je sais, voilà, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, comme on dit. Je sais un petit peu ce qu'on va pouvoir me faire comme retour pour cette vidéo, je peux anticiper. Et je sais qu'on va me dire, oui, mais tu sais, c'est un problème de dire que tu ne soutiens pas la lutte antiraciste parce que le racisme existe et c'est un fait. Et donc, c'est pas parce que toi, tu crois que les fondements idéologiques ne vont pas dans le sens de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala que du coup, tu peux t'en désolidariser parce que finalement, sur le terrain, il y a des luttes à faire pour de vrai et des injustices qui existent. Ben, moi, je vous dis que je ne participe pas non plus à cette vision des choses. À mon sens, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est un hadith du prophète, authentique, rapporté par El-Bukhari et Muslim, etc. Et donc, dans ces conditions, mes intentions sont le premier centre d'intérêt au moment où je vais faire une action, n'importe laquelle, même si c'est m'engager dans une lutte antiraciste. Et si mes intentions, elles sont pas purifiées, je ne peux pas espérer la victoire. Et surtout, je ne peux pas espérer être rétribuée dans l'au-delà. Parce que autant la victoire sur Terre, bon, elle m'intéresse, mais ce n'est pas mon objectif premier. Mais en tout cas, je ne peux pas espérer d'être rétribuée dans l'au-delà. Et ça. Voilà, je préfère vivre toute ma vie. Je suis désolée, je vais être caricaturale, mais encore une fois, c'est pour que vous compreniez la logique. Je préfère vivre toute ma vie dans le racisme et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actions que j'ai pu mener, que me battre toute ma vie contre le racisme, connaître la fin du racisme sur Terre, je ne sais même pas si ça pourrait exister un jour, mais connaître la fin du racisme sur Terre et arriver le jour des comptes, me rendre compte qu'en fait je me suis trompée de combat toute ma vie parce que mes intentions n'étaient pas purifiées et que je n'ai pas dirigé mon énergie dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je vous le dis clairement, ne comprenez pas ça comme un propos fataliste où je vous dirais qu'il ne faut pas se battre contre le racisme et qu'il faut prier toute la journée et lire le Coran dans son coin. Ce n'est pas ça, vous voyez, je suis axée, je fais des vidéos, je parle, quotidiennement je publie des trucs sur Insta, j'écris même un livre, inshallah, voilà, j'organise des choses, donc évidemment j'espère que la situation va s'arranger de notre vivant, bénilah, mais on n'est pas jugé sur nos réalisations collectives au niveau social sur Terre. Ce que je veux dire, peut-être que je ne me suis pas mal exprimée, ce que je veux dire, c'est que le jour des comptes, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas me juger selon comment j'ai laissé la Terre au moment où je suis morte. Il va me juger selon ce que j'ai fait, quelles étaient mes intentions, comment je me suis organisée, comment j'ai dépensé mon argent, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, etc. Donc dans ces conditions, voilà, il faut juste remettre les pendules à l'heure, c'est pas bien compliqué. Donc le racisme, c'est une création telle qu'on le vit en tout cas aujourd'hui, il a existé de tout temps, hein, mais c'est une création institutionnalisée par l'État-nation, c'est une création qui a été justifiée pour que le monde tel qu'on le connaît depuis quelques siècles continue de fonctionner. Il y a des dominés, il y a des dominants, il y a des élites, il y a des gens qui s'organisent, et puis il y a le petit peuple qui déguste. Donc dans ces conditions, oui.
Je veux me positionner, je veux proposer une solution, le modèle reste à construire et je ne m'inclus pas dans les luttes telles qu'elles sont menées par les progressistes de gauche, etc. etc. Voilà, je vous souhaite une bonne désaliénation et je vous dis à bientôt, inshallah. S'il vous plaît, lâchez-moi un petit like sur cette vidéo parce que ça fait la différence dans mon référencement et rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez plus de contenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.